Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Magnifique. Du soleil, il fait beau. Vous vous êtes à quelques-uns déplacés pour assister à cette grande conférence, une masterclass de la Semaine de la Créativité. Et puis, on a la grande chance également d'être présents sur le mur d'actualité, le Facebook de La Libre Belgique. Aujourd'hui, donc, avec quelques personnes qui nous rejoignent également en décentralisé, en Wallonie et ailleurs. Merci à tous d'être chez vous ou d'être ici au restaurant Les Gamines à Poix-Saint-Hubert, dans la province du Luxembourg, pour cette 5e journée de la Semaine de la Créativité. Voilà, alors vous le savez, elle s'intitule Make Wallonia, avec cette idée que les idées sont importantes à travailler collectivement, et c'est leur implémentation qui fait aussi une forme de différence dans un processus d'innovation. Donc on a vraiment voulu insister sur ce côté root, ce côté fabrication, ce côté faire, et notamment faire la Wallonie de demain. C'est pour cela qu'on propose durant la semaine toute une série d'ateliers, de conférences participatives, de moments plus concrets où on va fabriquer des objets, des nouveaux produits avec des machines, et d'autres moments plus d'inspiration ou d'aspiration. Et ici, on a la grande chance de recevoir l'homme qui a un petit peu bousculé l'industrie horlogère suisse il y a quelques années, puisqu'il est co-inventeur de la Swatch, une montre que vous avez certainement tous déjà eue au poignet à un moment ou à un autre. Et depuis, il n'a de cesse de réinventer l'innovation dans de nombreuses industries, dans de nombreuses entreprises, avec la société qu'il a fondée, Créaolic, qui, pour faire d'ailleurs une petite référence aux discussions que nous avons eues dimanche dernier, notamment avec Isaac Gates, eh bien Créaolic est une société qui fonctionne avec une grande partie de principes des entreprises libérées en termes de management. Donc c'est très intéressant aussi. Et il va aujourd'hui nous parler de ses processus créatifs, du process d'innovation et de comment on peut mieux, ensemble, utiliser l'intelligence collective. Je vous demande donc de réserver un tonnerre d'applaudissements, et vous pouvez le faire chez vous aussi depuis votre divan. On vous entendra. Un tonnerre d'applaudissements. N'hésitez pas aussi à commenter depuis chez vous sur le mur d'actualité. On va tenter de transmettre vos questions à l'orateur pour que ce soit aussi une forme d'interaction. Voilà, donc je ne vais pas plus loin en ce qui me concerne, mais je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Elmar Mock. Bonjour à tous. Quelle belle surprise d'être ici, parce que ça fait des années qu'on me ment. Jacques Brel chantait le plat pays qui est le mien, mais c'est tout vallonné ici, c'est superbe. C'est vraiment une belle surprise d'arriver ici. D'ailleurs, ça rappelle un peu mon lieu d'origine, donc je suis jurassien, enfin biennois, mais c'est proche du Jura. Et le Jura, moi j'étais baigné dans l'esprit du Jura libre, et j'ai appris que Libre Belgique nous suit. Donc à quelque part, il y a pas mal de liens qui sont créés. D'ailleurs, il y a pas mal de liens entre la Wallonie et le Jura, que je salue par là même. Mais je ne suis pas là pour parler politique, hein. Je vais essayer de vous parler un peu d'innovation. C'est le programme de la journée. Donc la première heure, ce sera une heure de présentation qui sera aussi suivie justement par vos collègues au travers de Libre Belgique. Ensuite, on aimerait travailler ensemble. Donc, j'ai envie de vous proposer de prendre le risque de faire le plongeon. Finalement, c'est un embarquement dans l'innovation qu'on demande. C'est pas simplement y aller du bout des pieds, c'est êtes-vous prêt à prendre le risque de changer? Pensez-vous qu'après-demain est la prolongation d'aujourd'hui, ou pensez-vous qu'après-demain sera différent? Comment vous êtes prêt à vous remettre en question? Et c'est ce genre de questions-là que j'ai envie d'aborder. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourra pas trouver la solution. J'ai envie de vous montrer la capacité qu'on a à réfléchir ensemble et quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser. Donc je ne vais pas forcément parler seulement de méthodologie, mais dans le fond aussi du processus lui-même. Le processus de l'innovation, est-ce que cette réponse, on l'a eue dans l'histoire? Est-ce que la nature nous le montre? Est-ce qu'on a le temps de faire de l'évolution? Est-ce qu'on peut attendre que les choses changent doucement? Parce que finalement, la nature est géniale. C'est extraordinaire ce qui a été fait. Mais ça a pris des millions d'années, des milliards d'années. Nous, on a une vie devant nous. Et chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ça nous bouffe 10 ans. On ne peut faire que ça qu'est-ce dans notre vie. Est-ce qu'on peut vraiment attendre que la nature change toute seule? Est-ce qu'on doit attendre la main de Dieu? Alors les Américains parlaient de « intelligent design » qui sous-entendrait que Dieu sait.
Donc quelqu'un saurait. Donc un boss pourrait vous dire où aller. Quelqu'un pourrait vous dire où est l'avenir. Je ne l'ai jamais rencontré, ce personnage-là. En tout cas, je n'ai jamais trouvé le chemin au travers d'un gourou, d'un dieu ou de quelqu'un qui saurait. Par contre, les mêmes Américains qui, pour jouer sur le mot « intelligent design », ont fait « design thinking », ça veut dire simplement « ayez une approche novatrice, multiconceptuelle ». C'est horrible en français. Ça veut simplement dire « travaillez ensemble, échangez ensemble, apprenez des autres ». Apprenez à découvrir ce que vous ne savez pas encore, ce que vous ne connaissez pas encore. Le processus créatif, on nous casse les oreilles depuis des années, tout le monde parle d'innovation, à tel point qu'aujourd'hui, quand je me présente, je parle plutôt d'inventeur professionnel que innovateur, parce que même les politiciens utilisent le terme innovation, ça me fait lentement peur. D'ici peu, l'Église va nous dire qu'elle innove. Donc, imaginez, c'est quoi l'innovation? C'est quoi le processus? Quand on est étudiant, on a découvert ce processus-là. Mais vous vous rendez compte, on est tellement obsédé par nos tâches quotidiennes, on est tellement obsédé par ce qu'on a envie de faire tout de suite, qu'on oublie de faire ce qu'on aurait à faire. Quand on a un travail à rendre dans 6 mois, les 3 premiers mois, on s'amuse, on sort, on va boire des bières qui sont d'ailleurs pas d'ailleurs excellentes, j'en ai bu hier de la région, ça vaut la peine, mais comment est-ce qu'on fait pour se concentrer sur ce qu'on aura à livrer après-demain? Parce que finalement, l'innovation ne concerne jamais demain matin. Ça concerne toujours la semaine d'après. Et on a toujours l'impression qu'on peut renvoyer au surlendemain ce qu'on pourrait faire le lendemain. Mais si on faisait autrement? Alors, j'ai rencontré un peu par hasard mon collègue Gilles Garel, avec lequel j'ai écrit le livre « La fabrique de l'innovation », qui m'a parlé d'un processus de l'innovation. Il parlait de CIKA, tu travaillais selon CIKA. J'ai lu le bouquin, j'ai rien compris. Le premier, l'original. Puis je dis, mais ça sert à quoi? Ça fait 30 ans que je travaille selon le processus CIKA, effectivement, mais je te dirais qu'Edison lui-même travaillait selon CIKA et je crois bien que l'homme des cavernes aussi. Ça amène quoi ton processus? Jusqu'à ce que je comprenne que c'est génial d'expliquer, parce qu'on a l'habitude dans nos sociétés de définir des processus linéaires. Des milestones, des budgets, des délais, ensuite des objectifs, on a respecté le temps, l'argent, etc. Alors que le processus créatif ne suit pas le même chemin. La différence, c'est que le processus industriel est linéaire, le processus créatif est non linéaire, et c'est ce qui explique le CIKA. Pourquoi c'est intéressant? Il y a un domaine de concept. Le domaine de concept, c'est un ensemble mathématique. Cet ensemble mathématique, la particularité qu'il a, c'est qu'il n'est pas logique et il n'est pas vrai ou faux. Alors que nous, on a été éduqués pendant des années dans le processus des connaissances. Et les connaissances sont logiques et sont vraies ou fausses. Dans le fond, ce qu'on attend d'un élève, c'est qu'il réponde juste, pas n'importe quoi. Donc chaque fois qu'il est créatif, on a l'impression qu'il manque de consistance. Et pourtant, l'innovation vient toujours en rendant l'impossible possible. Donc en proposant un rêve, en proposant une émotion, en proposant quelque chose qui semble a priori irréalisable. D'ailleurs, la définition même du brevet ne peut être breveté que quelque chose qui n'est pas évidente pour l'homme de métier. Donc l'invention, c'est toujours proposer quelque chose que l'homme de métier considérait comme non avenu, impossible, non politiquement incorrect, où ça ne marchera jamais. Combien de fois on l'a déjà entendu? Donc une proposition novatrice commence toujours dans le domaine des C, des concepts. Pas forcément logique, pas forcément vrai, pas forcément fausse. Pour la réaliser, ben il faut aller dans le monde des connaissances, mais pas les connaissances que l'on a, celles qu'on n'a justement pas. Chercher chez les autres, chercher chez son voisin, dans d'autres cultures, dans d'autres technologies, dans d'autres domaines, s'approprier ce que savent les autres, pour ensuite modifier son concept. Parce que d'un concept, il y a beaucoup de réponses potentielles. Elles sont tous reliées ensemble parce qu'elles ont toutes le même rêve de résoudre quelque chose ou de proposer quelque chose. Et dans le fond, ces propositions sont variables. Vous allez devoir en choisir une ou deux, c'est toujours pas réalisable. Il faudra retourner dans le domaine des connaissances pour repartir dans le domaine des concepts, pour retourner dans les connaissances, pour finalement avoir une proposition qui pourrait se réaliser.
Dans le bouquin, vous avez la Swatch qui est pris en exemple pour montrer à quel point c'était non linéaire. Parce que personne ne savait qu'on allait faire un produit de mode. On voulait faire un produit de guerre, un produit bon marché. On a fait toute autre chose. Quand on développe quelque chose, on change d'idée chemin faisant. Parce qu'on découvre, grâce aux autres, le potentiel qu'on pourrait avoir et que souvent, on ne voit pas au départ. La particularité, ça rappelle ce jeu que vous avez tous vu, en tirant sur la ficelle de gauche ou de droite, vous faites monter le petit bonhomme. Si vous tirez que d'un côté, il ne monte pas. Donc le risque qu'on a tous, c'est d'être trop focalisé sur les concepts ou trop focalisé sur les connaissances. Puis après, on a cette gueule-là. Mais bon sang, c'est dangereux. Mais travaillez des deux mains. Ne considérez pas que la moitié de vous-même. On a tous une part de connaissances, on a tous une part de concepts. Il faut savoir l'exploiter. Une autre particularité, c'est la confusion totale entre innovation de rupture et innovation incrémentelle. Et on se gargarise qu'on a innové. Forcément, on a changé la couleur de notre chambre. On a donc innové. C'est quoi l'innovation ? Déjà, je vous rappellerai que vous n'avez pas marié la première femme que vous avez embrassée. Vous n'avez pas acheté la première voiture que vous avez vue. Vous ne faites pas toujours, tout de suite, les bonnes choses. Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez. Et la particularité bizarre de l'innovation, c'est qu'au début, on schneuk, on cherche. On a envie de schnuppern, se ressentir. On ne sait pas exactement. Normalement, on devrait, avec le temps, se concentrer sur un objectif. Là, on a un cahier de charges. Après, on réalise. Bon, dans le cas amoureux, certains, comme mon fils à 38 ans, sont toujours dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas tous cette capacité de se concentrer, de se focaliser. Pourtant, c'est important, un jour, de prendre des décisions. Ensuite, on va tout droit. Alors, une fois qu'on va tout droit, c'est sympa, c'est qu'on arrive sur le marché. C'est une horreur, le marché. À peine vous lui proposez quelque chose, cet imbécile veut autre chose. Le même en plus petit, en plus gros, en moins cher, en bleu, il vous demande quelque chose. Écoutez, s'il vous plaît, votre marché. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous écoutez le marché, vous lui proposez quelque chose, tu ne le voudrais pas en rose ? Puis, il va vous dire. Puis, à partir de là, vous faites une génération 2.1, 2.2, 2.3. Mais s'il vous plaît, n'arrêtez jamais de le faire, mais arrêtez de prétendre que vous avez innové. Vous avez rénové, vous avez fait une évolution absolument salutaire, absolument importante, et c'est 95% de l'activité humaine et de la rénovation et de l'évolution. Et surtout, il ne faut pas que ça change. Mais 5%, c'est faire autre chose. Et c'est quoi cette autre chose ? C'est juste rendre l'impossible possible. Chaque fois qu'ici, on vous répond « Ah non, ça, on ne peut pas faire », pour des raisons éthiques, religieuses, techniques, commerciales, peu importe quoi, quand on vous dit « c'est pas possible », ça devient vachement intéressant. C'est là qu'on demande de l'innovation, c'est rendre l'impossible possible. Comment est-ce qu'on le fait ? Finalement, c'est assez simple, apparemment. Commencez par être inspiré. Inspiré, ce n'est pas soi-même. Inspiré, c'est faire avec les autres. Aujourd'hui, on sera surtout dans l'inspiration. Mais une fois que vous avez l'inspiration, il faut faire tout le travail du spaghetti. C'est de loin pas fini. Là, il faudra commencer d'aller dans cette recherche, dans cet essai rapide, changer d'avis, se remettre en question, modifier son concept. Et c'est seulement une fois que vous aurez su le réaliser, je vous assure, vous allez recommencer la loupe de la rénovation une quinzaine de fois. C'est normal. Mais rendre l'impossible possible, c'est le rôle de l'innovation. Une autre façon de voir les choses, c'est de proposer au marché quelque chose qui n'a même pas demandé. Mais personne n'a demandé de smartphone. Personne n'a demandé de Swatch. Personne n'a demandé de fax ou d'éléments autocollants. C'est petit à petit qu'on a découvert leur valeur. Et là, il y a des gens qui proposent quelque chose. C'est souvent les start-up, d'ailleurs. C'est très intéressant. Mais on a tout le monde contre nous. Tous ceux qui sont dans le fromage, ils sont contre. Pourquoi on devrait changer ? Donc, c'est un chemin extrêmement intéressant, mais très périlleux. Dans le fond, vous aurez... Mais c'est la même chose. Hein. On commence par l'inspiration, puis on fait le spaghetti. Ce n'est pas une autre démarche. Simplement, c'est la proposition qui est différente. Dans un cas... une demande qui semble impossible sur la base d'une demande du marché. Dans l'autre cas, on propose quelque chose au marché qu'il ne connaissait pas. Mais c'est la même démarche. La rénovation, c'est contrôler. C'est pas prendre de risques. C'est step by step. On sait où on va.
on calcule les choses. Forcément que le CFO préfère ça. Forcément que votre banquier préfère ça. Forcément que votre père et votre mère préfèrent ça. L'innovation, c'est ça. C'est sauter dans l'inconnu. C'est prendre le risque de plonger. Espérer que ses ailes poussent avant qu'on se casse la gueule sur le sol. Certains se cassent la gueule. Ça peut faire mal. Mais ce risque-là, c'est la seule façon d'échapper à l'escalier. Pourquoi il faut échapper à l'escalier ? On est devenus les champions du monde de ce domaine. On a des chefs de projet, des chefs de service, on a SAP, on a le support logistique, on est super organisé. On sait exactement ce que veut mon client. On est les champions du monde. Et pourtant, on se casse la gueule. Pourquoi ? Parce que le marché demande toujours plus et paye toujours moins. Vos marges tendent vers zéro. Il faut délocaliser, automatiser, systématiser, SAPiser pour conserver des marges. Donc l'innovation est la seule façon de retrouver le chemin des marges, parce que les marges, c'est l'oxygène de la vie sociale. Si on ne gagne pas quelque chose, on ne survit pas. Donc l'objectif de l'innovation n'est pas purement éthique ou du plaisir ou du bonheur, non. C'est retrouver un chemin de marche, retrouver une vie économique, retrouver la possibilité d'offrir quelque chose qui a une valeur ajoutée. Donc c'est bien de la valeur ajoutée. C'est extrêmement capitaliste, l'innovation. Quelle est la différence entre ces deux domaines ? Bon, là, je l'ai représenté par des petits cubes, parce que les gens qui décident sont toujours là. Hein. C'est toujours les gens qui gagnent de l'argent qui décident. Donc forcément que les gens qui décident ont l'habitude des processus linéaires. On leur fait croire qu'il y a un processus, ce n'est pas linéaire, mais on doit quand même mettre des étapes pour qu'ils puissent se sentir un peu à la maison. Mais est-ce que ces gens sont différents ? Est-ce que je suis différent ? Et ces innovateurs sont différents ? Et là, la réponse est d'une tristesse terrible. On est créatif. Nous, les êtres humains, nous sommes des bonobos créatifs. On est des singes doués de créativité. Mais regardez autour de vous, regardez la culture, l'architecture, regardez le monde que l'on a créé, nous les hommes. Il est simplement beau. Et cette beauté vient de notre capacité fondamentale à être créatif. Donc la créativité n'est pas du tout une exception. Il y a beaucoup de surdouances. Et pourtant on a la trouille. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans les gens qui se sentent à l'aise dans ce monde et ceux qui se sentent à l'aise dans ce monde-là ? Il est très simple. C'est une question d'attitude. L'attitude créative est une attitude d'exploration. C'est tenter à découvrir ce que je ne connais pas. Alors que le monde normal est basé sur les aptitudes. Et l'aptitude, c'est l'exploitation des connaissances, l'exploitation de ce que j'ai, l'exploitation de ma terre, l'exploitation de ce que je sais faire. C'est fondamentalement différent et pourtant, on a tous cette capacité, souvent les jeunes, d'ailleurs plus que les personnes plus âgées, à partir dans l'exploration. Mais c'est quoi l'exploration ? Ce n'est pas simplement découvrir des langues différentes, parce que l'intérêt du multiculturel, n'allez pas croire que ça se limite au multisexuel ou au multilinguistique. Non, les cultures sont différentes dans les domaines dans lesquels on travaille. Si je prends un physicien, un mathématicien, un horloger, un mécanicien. Je l'ai fait bosser pendant 10 ans dans l'horlogerie. Au bout de 10 ans, c'est tous des horlogers. Ils chopent tous la même mentalité. On a une mentalité par rapport au domaine d'application que l'on a. Donc la multiculturalité, ce n'est pas devenir noir ou devenir femme. Non, c'est accepter, chercher, comprendre les métiers des autres, les caractéristiques des autres et s'en inspirer. Car dans ce domaine, la copie des rites, la copie des façons de faire est la bienvenue. Laissez-vous inspirer par les autres. Ne redécouvrez pas la poudre. Alors que dans l'autre, dans l'aptitude de l'exploitation, ce qu'on cherche, c'est la profondeur des connaissances. On devient docteur dans ce qu'on sait déjà. On devient meilleur dans ce d'où on est déjà bon. Et on pense que son avenir, c'est aller encore plus profond. Oui, c'est une partie de l'avenir, mais l'avenir, c'est si on tentait autre chose, si on faisait le saut. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Dans le fond, l'innovation, c'est juste la combinaison des deux, c'est le mariage des deux. La difficulté, c'est juste comment est-ce qu'on fait que la tête du clou tienne avec la tige du clou. Et là, il faut des processus, là, il faut des travails, là, il faut trouver des façons de collaborer. C'est un vrai effort. Parce que dans le fond, ces gens n'ont qu'une vision, le bas,
alors que ceux ont la vision de l'horizontale. Et ils ne se comprennent pas. C'est un peu compliqué. Si aujourd'hui on travaille ensemble, c'est pour montrer la puissance de la réflexion collective. On a, tous les êtres humains, cette capacité incroyable qu'à deux, on fait plus que tout seul. Et des fois, on a de la peine à l'accepter. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Ça veut dire quoi? La réflexion collective. Ensuite, ce que j'aimerais qu'on fasse comme essai, c'est pour ça qu'on aura 2 heures ensuite de travail ensemble, ou 3 heures, c'est partager, valider, faire croître. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en évidence avec finalement pas tellement d'efforts et pas tellement de temps? Il est possible de le faire. On va essayer d'apprendre, de créer ensemble. On va essayer de jouer. L'objectif d'aujourd'hui n'est pas de donner une réponse ultime, de trouver la voie. C'est juste d'apprendre à jouer pour découvrir le potentiel qu'on a tous ensemble. J'utilise pour ça une métaphore. On va parler de la perle. Dans le fond, l'innovation est à la société ce que la perle est à l'huître. Une perle heureuse ne fait pas d'huître. Une huître heureuse ne fait pas de perle. Donc, une huître, il faut la déranger. Il faut que ça la gratte. Il faut l'emmerdouiller pour qu'elle se décide à faire une perle. La question est de savoir qu'est-ce qui vous gratouille? Qu'est-ce qui vous emmerdouille? Qu'est-ce qui pourrait changer? Parce que dans le fond, on est des caméléons. On s'habitue à nos problèmes. On a toujours fait comme ça. Pourquoi on devrait changer? Pensez, pendant 2000 ans, ou 5000 ans, l'homme était heureux avec des roues de char en bois ferré. Les gens prétendent qu'il suffit qu'on introduise politiquement un ordre ou qu'on introduise un truc marketing pour tout vendre. Essayez, pour rire, de vendre des roues de char ferrées pour les voitures modernes. Juste pour rire. Vous allez voir que le meilleur des marketeurs du monde, il fait pas ça. Parce que l'être humain, il faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On n'avale pas n'importe quoi. Il faut résoudre quelque chose, il faut apporter un rêve, il faut ou proposer quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui lui amène un avantage, ou résoudre un de ses problèmes. Donc fondamentalement, c'est trouver ce qui gratouille, qui est la solution. L'élément perturbateur est la clé de l'innovation. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose et qu'est-ce que vous enlevez à l'humanité, vous aurez de la peine à trouver une solution. Ce n'est pas du plaisir de faire seulement de la masturbation intellectuelle, ce n'est pas faire un truc pour le faire, c'est pour le faire pour les autres. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour les autres, c'est pour la société, la communauté, des utilisateurs. Donc, trouvez l'élément perturbateur. Ensuite, vous aurez une phase inventive. Comment je pourrais le résoudre? Ça, on va essayer de travailler un peu aujourd'hui là-dessus aussi. Puis après, vous allez voir qu'on va vous proposer de faire des concepts, des business models, des trucs sérieux, des concepts sérieux. Puis après, vous allez faire un développement. Puis après, vous allez rentrer sur le marché. Donc, tout le monde fait comme ça. Puis pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça reste stérile? Parce qu'on n'a pas fait une huître, on a fait un oignon. On fait des oignons quand on sépare chacune de ses couches, en définissant un domaine de responsabilité, un chef de projet, un cahier de charge. On sait ce qu'on a à faire et je suis un professionnel. Tu ne veux pas me raconter ce que tu vas faire comme métier. C'est super efficace dans la rénovation. C'est super efficace quand vous refaites la même chose en changeant un tout petit peu. Parce que les gens qui ont déjà fait, ils savent comment changer. Mais les gens qui n'ont jamais fait n'ont pas envie de faire. Donc l'innovation ne marche pas quand vous mettez trop de préservatifs entre les couches. Il faut, dès le départ, réfléchir à la partie business. Développer une nouvelle idée, c'est comme développer un bébé. Vous ne prenez pas la meilleure cellule de cerveau, la meilleure cellule de cœur, la meilleure cellule de muscle pour faire un bébé. Vous prenez une cellule souche. Forcément qu'un jour, il devra se spécialiser. Forcément qu'un jour, il devra refaire des trucs comme ça. Mais au départ de l'idée, s'il vous plaît, mélangez les capacités. Acceptez qu'il y ait des gens qui aient des visions différentes et sachez les faire travailler ensemble. Ce n'est pas un département créatif qui transmet une proposition à un département de connaissances qui retransmet au département créatif. Non, c'est une équipe, c'est ensemble que l'on fait. Et tant qu'on n'apprend pas à être ensemble, on sera stérile parce que les autres s'opposeront. La seule façon de faire marcher la combine, c'est de mettre les gens en situation et en co-décision, non pas en responsabilité. C'est ta faute, t'es un con, t'aurais dit du marketing, t'aurais pu nous dire. Non.
on ne porte pas de responsabilité, on apporte des connaissances et on rêve ensemble. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc la perle, c'est l'objectif. Le lien, dès le départ, avec l'élément perturbateur. Parce qu'une perle ne fait sens que quand ça ne gratte plus. Un produit ne fait sens que quand on a résolu ou apporté ce que le peuple, l'économie, un marché, un fournisseur désirait. Ensuite, donc, c'est ce qu'on va faire comme premier travail, hein, juste après la présentation. Là, je vous le présente parce qu'une partie des auditeurs ne seront pas avec nous, donc c'est pour qu'ils puissent comprendre la démarche que l'on va suivre. Donc, quelques exemples d'éléments perturbateurs. C'est quoi un élément perturbateur? Par exemple, quelqu'un s'est dit un jour, mais mon aspirateur, c'est vraiment de la chierie, il perd sa puissance, ça ne marche pas très bien. Une fois, c'est... Comment je pourrais éviter ce problème de sac? Qu'est-ce qu'il a fait? Il en est sorti un Dyson. Mais au départ, c'est une question très simple. Au départ, c'est une volonté de répondre à un problème défini. Quand vous prenez le problème du café, moi j'adore faire des cafés quand je me lève au bord de mon lit, mais faire un café au bord de son lit, avec l'eau, la poudre de café, la compresser, enfin, c'est tout un cinéma, c'était pas pratique, c'était pas facile. C'est dans comment faire un bon expresso d'excellente qualité de manière très simple. La réponse a été Nespresso. Certains d'entre vous se souviennent encore d'Internet d'il y a 20 ans. C'était trouver une information, c'était trouver une aiguille dans une botte de foin. C'était juste incroyable. Comment trouver la bonne information dans cette masse d'informations? La solution, ça a été Google. Donc toujours, il faut se poser la bonne question. Et seulement là, on a une chance de trouver une bonne réponse. Si on se pose la mauvaise question, on ne pourra pas forcément. C'est de pur hasard qu'on trouve une bonne réponse. Donc on va travailler ensemble sur l'élément perturbateur, comment est-ce qu'on va faire ça? L'idée, déjà, normalement, on se définit une zone de recherche. Bon, aujourd'hui, on s'est défini, si j'ai bien compris, la zone de recherche du monde rural, du monde un tout petit peu en dehors de la capitale, de tous ces gens qui sont terriens, qui vivent de cette région. Donc on a essayé de se focaliser là-dessus. Vous pouvez vous focaliser sur n'importe quoi. Fondamentalement, commencez par définir le segment. Ensuite, posez-vous la question, je veux chercher quoi? Quelque chose que je veux avoir demain matin, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Ben, ce n'est pas les mêmes éléments perturbateurs quand on réfléchit à court terme ou à long terme. Ensuite, le truc, c'est trouver le maximum d'éléments perturbateurs possibles pour ensuite les réduire ensemble. Parce que n'oubliez pas que le brainstorming, c'est de la diarrhée intellectuelle. Beaucoup d'idées, mais plein de merde. Par contre, il y a des perles. Comment trouver les perles? L'art, c'est de les trouver ensemble. C'est là qu'intervient cette notion d'intelligence collective. Les mêmes qui produisent les idées doivent être capables de les tuer. C'est vachement facile de produire une idée. Vous verrez que c'est beaucoup plus difficile de la tuer. Et pourtant, on doit tuer. On doit réduire. On ne peut pas suivre toutes les pistes. On ne peut pas être au four ou au moulin en permanence. Il faut choisir. Vous verrez que ce n'est pas facile de choisir. L'objectif, on va faire ça de la façon suivante. Vous allez travailler en petits groupes, 5, 6, je ne sais pas comment, gros, entre 5 et 7 personnes. Vous définissez un porte-parole. Vous devez travailler seul, vous, tout seul, sans causer, d'abord. Pendant 4 minutes, trouvez quel est votre élément à vous tout seul. Quel est votre problème? Pas le problème des autres. Qu'est-ce que je veux pour moi? Ensuite, vous allez échanger. Et dans le petit groupe, vous devez choisir un élément. On va le présenter au groupe, puis après on va choisir ensemble. Alors, en image, c'est quoi? Vous allez recevoir des petites feuilles A5. En une phrase lisible, maximum 2 phrases, exprimez votre élément perturbateur, ce que vous ressentez en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'utilisateur. C'est juste pour sentir un peu où est-ce qu'on peut aller. Ensuite, vous allez l'identifier, donc tout seul. Vous allez discuter ensemble, choisir 1 sur 5, pour le présenter, pour définir votre présentateur. Ensuite, on présentera tous ensemble. Puis ensemble, on aura une cible, puis on va essayer de voir si l'élément perturbateur proposé par l'équipe correspond au centre de vos intérêts ou est loin du centre de vos intérêts. Ce qu'on veut simplement, c'est définir ensemble un élément perturbateur commun qui vaut la peine de travailler après pendant 3 heures. Ça ne sert à rien si on n'a pas du plaisir à travailler sur quelque chose. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas vous imposer un problème. On va trouver ensemble un problème qui intéresse la majeure partie d'entre vous. L'objectif, c'est simplement ça. De quoi on va parler après? Donc cette séance est très importante pour savoir le thème que tous ensemble, on poursuivra après. On fait une petite pause, puis ensuite, on aura l'atelier de génération d'idées. Même principe. Hein.
De nouveau, soyez ouverts, n'ayez pas peur, on ne vous demande pas de responsabilité, vous avez le droit de vous tromper, c'est vraiment un exercice, et vous montrer que vous êtes capable de. C'est le même principe. On va partir de la définition qu'on a choisie ensemble, l'élément perturbateur commun. On va chercher le maximum de solutions possibles par une méthodologie rapide. C'est une méthodologie. Les méthodologies sont des cannes qui nous aident à marcher. C'est des supports intellectuels. Il n'y a aucune méthodologie qui marche pour vous et toutes peuvent vous servir. Il en existe des dizaines. J'en ai choisi une qui est facile à réaliser rapidement. Elle est simple, c'est tout. Mais je ne dis pas du tout que c'est la bonne méthodologie. Il y a beaucoup de méthodologies, mais toutes ne sont que des exosquelettes mentaux. Celui qui marche, c'est vous. Ce n'est pas la méthode. Il n'y a pas de machine à inventer. Il n'y a pas de machine toute seule. C'est vous qui avez la volonté de faire ou de ne pas faire. Les méthodes vont vous aider. Bon, je vous en présente une. On en présente beaucoup. Mais c'est, le but est toujours le même. Beaucoup de propositions pour en tuer plein, pour en avoir très peu à la fin. Comment est-ce qu'on va faire ça? De nouveau, choisir un porte-parole. Puis après, on va utiliser ce qu'on appelle la 5. Il y a différents noms pour la même méthode. Je l'ai appelé 5-3-3 maintenant, parce que ça m'arrangeait. Mais on peut l'appeler environ n'importe comment. Vous aurez environ 15 à 20 minutes pour le faire. Après, vous allez échanger et vous restez un poster. Comment ça fonctionne? Quand vous êtes autour de la table, chaque personne reçoit une feuille de papier et travaille pour elle-même. Qu'est-ce que j'aurai comme proposition de solution à l'élément perturbateur que j'ai reçu? À partir de là, vous avez maximum, en 3 minutes, vous allez faire 3 propositions. C'est très stressant. Peut-être que vous en trouverez que 2 ou 1, ce n'est pas grave. Puis au bout de ces 3 minutes, on vous oblige d'arrêter. Vous ne pouvez pas continuer, vous n'avez que 3 minutes à disposition. Une fois que ces 3 minutes sont passées, vous allez les passer à votre voisin. Mais quelles sont les règles importantes? Une seule idée par page. Mettez pas plusieurs idées par page. Vous avez 10 pages pliées, faites une seule idée par surface. Parce que sinon, c'est trop compliqué pour les suivants. Ensuite, vous vous taisez. C'est vous qui travaillez, ce n'est pas les autres. J'attends le travail de chacun de vous. C'est personnel, individuel. Ensuite, elles seront débattues après les idées. Donc, ne parlez pas quand vous faites cet exercice. Faites-le pour vous. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas les idées des autres parce que vous allez recevoir les idées des autres. Mettez pas de commentaires négatifs. Ça ne marchera jamais, tu te trompes complètement, c'est impossible, on l'a déjà fait, oublie. Tout ça, il ne faut pas faire. Si vous n'êtes pas d'accord, changez de page, faites une nouvelle proposition. Dans le fond, le but, simplement, c'est d'avoir au début le travail individuel, puis ensuite, on se passe les feuilles d'un à l'autre. Donc, vous aurez la feuille de votre voisin de gauche et vous allez donner la vôtre à celle de droite. Puis comme ça, si on fait 4 fois l'exercice, tout le monde a eu les idées de tout le monde. Vous avez tous eu l'occasion de lire les propositions de votre voisin, au pluriel, et vous pouvez les commenter, les améliorer, les augmenter, ou pas, c'est votre choix. Mais si on est 5, puis chacun fait 3, on a 15 propositions en 20 minutes. Donc on a très vite une grande série de propositions. L'art ensuite, ce sera de nouveau de trier. Je ne veux pas 15, il y en a une que vous allez présenter. Il faut vous arranger entre vous sur laquelle de ces 15 propositions, ou 10 propositions, peu importe, laquelle a, je dirais, la majorité d'intérêt dans l'équipe. On ne doit pas démontrer sa faisabilité. On ne doit pas définir un business case. On ne doit pas définir sa rentabilité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Puis après seulement, vous aurez encore 15 minutes pour faire un poster. Ça veut dire quoi faire un poster? Sur une feuille, sur un flip chart, trouver un titre accrocheur. La créativité demande d'être profondément convaincu soi-même. Deuxièmement, elle demande de convaincre les autres. Troisièmement, elle vous demandera de prendre un risque. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de prendre de risque. On vous demande simplement d'être convaincu. C'est l'objectif de la discussion. Ensuite, de convaincre. C'est pour ça qu'il faut un bon titre. En peu de mots, vous aurez très peu de temps pour expliquer votre idée. Ensuite, vous allez faire un croquis, si vous avez envie de faire un croquis. Puis après, vous mettrez quelques bullet points, si vous voulez rajouter quelques explications pour valoriser la proposition. Mais il faut pouvoir le faire en 2 minutes après. Ensuite, on mettra tout ça en commun. On se retrouvera dans cette salle où on verra si on a 5 groupes, on aura 5 propositions. Si on a 10 groupes, on aura 10 propositions. Puis chacun aura juste 2 minutes pour expliquer sa proposition. Puis après, on votera. C'est très suisse. Hein. Moi, j'aime bien voter. Pourquoi? Vous n'aurez que 3 points. C'est comme, vous savez, au truc de champ, là, vous aurez 3 points, 2 points, 1 point. Donc, chacun aura 3 points.
vous aurez à choisir dans les idées des autres, pas dans la vôtre. Ne travaillez jamais sur votre proposition. Forcément que vous êtes pour, ça fait 2 heures que vous bossez dessus. Oubliez votre proposition. Intéressez-vous à la proposition des autres. Vous ne pouvez pas mettre les 5 points sur un seul projet. Vous devez répartir les 3 points que vous avez sur les différents projets. Et avec ça, vous verrez que très rapidement, on se ressortent certaines propositions dominantes. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça donnera un instantané de l'après-midi sur ce que les gens qui sont présents ici auront eu envie de faire et envie de proposer sur un élément perturbateur qu'on aura choisi ensemble. Mais en réalité, on n'aura fait que le premier stade. On aura donc fait avec l'élément perturbateur, on aura le premier C. En travaillant ensemble, on utilise les cas de tout le monde, d'où l'intérêt de l'intelligence collective, pour faire différentes propositions et on s'arrêtera là. Alors, c'est de loin pas fini. Si vous voulez le réaliser, vous aurez encore X fois le passage de l'un à l'autre. Et on n'attend pas aujourd'hui avoir une réponse. J'aimerais simplement que vous fassiez l'expérience de cette intelligence collective, que vous fassiez l'expérience que vous pouvez et que vous soyez vous-même surpris de ce qu'on pourra sortir en une après-midi. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous plonger dans les bouquins que j'ai écrits. Donc, j'ai écrit avec Gilles Garel, La fabrique de l'innovation, dont le but est justement de décrire ce processus créatif. Vous allez trouver également là-dedans différentes autres méthodologies expliquées, différentes autres métaphores. Je vous parle de sexe, je vous parle de femme, je parle de plein de choses. Mais le but du bouquin est de vous ouvrir les yeux sur autre chose. Non pas sur des solutions, mais comment vous pouvez influencer vous-même l'innovation. On a fait une traduction en anglais. Très bonne traduction, j'espère, d'ailleurs. Vous voyez que c'est 2 images différentes. L'idée de la baleine à plumes, c'est de dire que vous allez changer de milieu. Les poissons vont devoir apprendre à voler et les oiseaux devront apprendre à nager. Où vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas de chance. Ça va changer. Vous ne serez plus demain dans le milieu que vous pensez être à l'aise aujourd'hui. Vous devrez sortir de votre zone de confort. Et imaginez un oiseau qui va pêcher. Il y en a plein. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il doit manger. Parce qu'il doit avoir de la marge. Parce qu'il doit faire des générations de futur. Et c'est le problème qu'on a tous. On devra changer de milieu pour aller où on va trouver des solutions qui permettront à nos sociétés d'exister. Parce que c'est ça qui est beau. C'est que cette société existe et continuera d'exister. Je vous remercie. Je connais quel est le temps. Oui, je suis dans les temps. Il y a des questions, je suis volontiers à disposition pour répondre à des questions. Vous parlez éventuellement des questions des auditeurs. Alors pour les auditeurs, je vous laisse la parole. Pour les gens présents, on vous passe le micro. Oui, il y a une question tout là-bas. Votre voix porte super bien. Alors attention, n'oubliez jamais que la politique sont les freins et les amortisseurs d'une voiture, que le moteur, c'est vous. Donc le gros problème, c'est de penser que les politiciens sont responsables de notre avenir. Ce n'est pas vrai. Les politiciens doivent freiner à bon escient, ni trop, ni trop peu. Une voiture sans frein, c'est vachement mauvais. Ils sont là pour amortir des chocs économiques, des chocs émotionnels, des chocs politiques, des chocs comme vous avez vécu à Bruxelles. Là, la politique est importante. Mais le moteur de la société, c'est vous. Le moteur, c'est l'activité humaine, c'est les services, c'est la façon dont on collabore les uns avec les autres. Vous êtes le moteur. Et je vous assure que moi, je n'ai jamais choisi ma voiture en fonction des freins et des amortisseurs. Pourtant, qu'est-ce que c'est important? Par contre, le cerveau de la société, ce n'est pas la politique. Les cerveaux de la société, c'est les entrepreneurs, ceux qui ont les sociétés, les propriétaires, les investisseurs, c'est eux qui sont les maires. Et la société n'est pas patriarcale, elle est matriarcale. La société n'est non pas dirigée par des femmes, même forcément, mais par des hommes qui pensent comme des mères. Parce qu'une mère ne veut qu'une seule chose, c'est des enfants adultes et utiles. Alors que les pères, eux, bon, c'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, moi, c'est souvent le mien, on a envie de faire des bébés chaque nuit. C'est pas ça. Faire des idées, parce que le brainstorming, c'est juste de la partouze. La difficulté, c'est de faire des bébés.
Et le but de la société, c'est faire des bébés. Parce que si on ne fait pas des bébés industriels, si on ne fait pas des produits de demain, on aura une invasion massive de produits venant de l'étranger, de gens qui décident ailleurs. Donc on a le choix, en tant que société, de créer nos bébés qui seront notre avenir ou d'accepter une immigration massive de produits des États-Unis, de Chine ou d'ailleurs. C'est notre choix. Et celui qui décide fondamentalement, c'est la mère. Parce que la mère, le cerveau de la mère ne fait pas bébé. Mais si le cerveau ne veut pas, elle tue, elle élimine, elle coupe les budgets, elle ne donne pas la liberté. Donc le cerveau de la société, les possesseurs, ceux qui dirigent les sociétés, sont ceux qui sont les responsables de la mort de l'innovation ou de lui donner de la liberté d'exister. Ils ne sont pas responsables de la faire. Ils sont responsables d'accepter, de rentrer en relation avec des mâles qui pourraient malheureusement les engrosser ou bien heureusement les engrosser. Mais c'est une société matriarcale et les pères n'ont rien à dire. Les inventeurs ne donnent pas leur nom. C'est la société qui possède. Et là, je vous donne raison, on n'a peut-être pas assez d'entrepreneurs, mais peut-être qu'au travers de ce qu'on a transmis au niveau de Libre Belgique, il y en aura. Mais vous avez une influence parce que vous allez en parler autour de vous. Et si vous n'avez pas convaincu le cerveau de la société, et le cerveau de la société n'est pas la politique, c'est qui entreprend. Et être entrepreneur, ce n'est pas dire « je suis un entrepreneur ». C'est comme dire « je suis un saint ». On a une attitude sainte. On est entrepreneur après, quand on a fait. Donc ceux qui sont intéressants ne sont pas ceux qui vous disent « je suis un entrepreneur », mais ceux qui possèdent et qui ont fait les entreprises d'aujourd'hui. Et c'est eux qui sont responsables de l'avenir. Je m'excuse, c'est une longue réponse. Vous ne m'avez pas convaincu, mais je vous en remercie quand même. Vous voulez quand même que je parle aux politiques. Mais je les aime bien, vos politiques. Parce que vos politiques prennent beaucoup plus de risques que les nôtres. Hein. Vous vous rendez compte qu'en Suisse, on ne soutient jamais les sociétés qui ne sont pas liées à l'université. Vous avez une politique qui est beaucoup plus verte que la nôtre. Je pense que vos politiciens font plus d'efforts que les nôtres. Je n'ai jamais réussi à convaincre les miens. Comment vous voulez que je convienne les vôtres? Non, c'est-à-dire que le problème, c'est que chez nous, les politiciens doivent donner des comptes aux contribuables en permanence, et puis le contribuable est celui qui décide, puisqu'il vote en permanence. Donc tous les politiciens ont très peur d'utiliser les deniers publics à mauvais escient. Mais il me semble que malgré tout ce que j'ai vu maintenant, ce qui se passe en Wallonie, chapeau. Et c'est quand même des volontés politiques, c'est quand même des volontés de vos gouvernants. Et je pense qu'ils, pour l'instant, ils font pas un si mauvais job. Je ne suis pas sûr que ce soit eux qu'il faut convaincre. Moi, je pense qu'il faut convaincre, c'est ceux qui reprendront le bâton, ceux qui feront que ça existe. Pas, c'est pas les politiciens qui produisent. C'est pas... Mais s'il vous plaît, toutes les sociétés d'État ont souvent démontré leur incapacité. Il faut arriver à un système qui sera beaucoup plus dynamique. Et je pense qu'on peut le faire, et vous avez un tissu économique qui est capable de le faire. D'ailleurs, une partie de la Belgique l'a fait. Si je me souviens bien, les Flandres, il y a 30 ans, ce n'était pas super. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont su se développer? Et ce n'est pas un problème politique, c'est un problème humain. C'est vous qui êtes responsable. Et il faut prendre son avenir en main. Bonjour, Michael Cravatte. Je suis secrétaire général de l'Union des designers en Belgique. L'Union des ? Des designers en Belgique. Mmh. Et accessoirement, designers stratégiques. Mais on est né en Belgique dans une société du knowledge, en fait, oui. De la connaissance. Et en fait, c'est ce qui est très difficile. Nous, on voit bien à l'Union des designers, on a énormément de problèmes de promouvoir la créativité, justement, parce qu'on a cette connaissance qui est un bouclier gigantesque. Je n'ai jamais vu à ce jour, ici, en Wallonie, autant de possibilités de pouvoir créer son entreprise. On vous donne des bourses, etc. Enfin, c'est des bourses incroyables. Je veux dire, vous pouvez commencer avec 12 000 euros, à la limite, sans presque faire grand-chose, ce qui est rare dans pas mal d'endroits. On n'a pas ça chez nous. Et voilà, mais c'est pour ça que je dis, il y a des possibilités qui sont incroyables, mais en même temps, quand on veut faire appel à des créatifs, mais on est très souvent muselé, on n'a pas cette... On attend encore beaucoup de... On dit en wallon, on dit la béquée, en fait. On attend d'être nourri par l'État-providence, en fait. Et c'est pour ça que je suis vraiment curieux de ce qu'on va faire ici, cet après-midi, pour pouvoir justement se prendre en main, en fait. Parce qu'il ne faut pas attendre de l'État. L'État, il gère,
Mais nous avons le devoir de créer, en fait. Je crois qu'on parle de la même chose, les deux. Là, ça joue tout à fait. Simplement, je voulais préciser une chose. Les connaissances ne sont pas que technologiques. Pour moi, le design, c'est des connaissances. L'économie, c'est des connaissances. Les business models, c'est des connaissances. Tout ce qu'on peut apprendre, c'est des connaissances. Pour moi, le concept, c'est le rêve. C'est la capacité d'aller au-delà de la proposition d'un métier. C'est imaginer vraiment autre chose. Et c'est vrai qu'on donne très peu de place. Mais si on peut passer du 3 pour 1000 actuel, moyen européen, à 3%, on sera nettement ailleurs. Si on arrive à 5%, on est génial. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je n'aurai pas de vous décevoir, on ne va pas changer le monde. On va juste essayer de travailler ensemble pour découvrir qu'on a une intelligence collective et vous inviter à travailler avec les gens qui sont hors de votre domaine et vous inviter à collaborer de manière différente. Et le gros problème du know-how, c'est qu'on a tendance à se bloquer dans les gens qui partagent nos avis, qui partagent nos connaissances. Et c'est vrai qu'on a de la peine à sortir de ce carcan. Mais c'est un problème qui est général, qui vient dans le fond de il y a très très longtemps. Dans le fond, l'humanisme a disparu avec l'introduction des grandes universités. On a commencé de définir des spécialistes, des chaires, des domaines, des doctorants, des états. Et on a fait des connaissances, des parties isolées, profondes. Et par là, on a été très profond dans les connaissances, mais on a perdu un peu l'humanisme. On doit redécouvrir cet humanisme et je crois qu'on ne doit pas tous le redécouvrir parce que la force du clou, ce n'est pas seulement la surface horizontale, c'est la pénétration en profondeur. Et l'art, c'est la liaison entre les deux. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est possible de lier les deux. C'est tout. Mais n'attendez pas trop, c'est juste une après-midi. Hein. Je vais vous décevoir terriblement, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce qui est juste ou ce qui est faux. Je n'en ai aucune idée. J'ai juste travaillé dans plein de choses, puis je me suis rendu compte que c'est possible, puis que ça demande un vrai job, c'est vraiment du travail. Et n'allez pas croire que c'est une après-midi, non. Un nouveau projet, c'est 10 ans de votre vie. Vous avez que 5 fois l'occasion dans votre vie de le faire. Ne faites pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas des mitrailleuses à idées. Au contraire, détrompez-vous. C'est 10 ans de faire quelque chose. Donc faites-le quand vous êtes totalement convaincu, et s'il vous plaît, sachez convaincre les autres. Si vous ne savez pas convaincre les autres, vous êtes peut-être dans le tort. Et prenez le risque. 10 ans de votre vie. Ce n'est pas que l'argent. C'est 10 ans de votre courte vie. Oui, vous avez parlé dans votre exposé. Non ? Merci. Oui, dans votre exposé, je n'ai pas entendu le mot de vitesse de réalisation entre l'idée initiale et la commercialisation proprement dite. Nous nous trouvons dans un monde économique qui va s'écrouler, qui est en très mauvais état, et donc s'il n'y a pas une innovation majeure qui porte ses fruits, elle ne verra jamais le jour, parce qu'on va se trouver dans un tsunami économique. Alors vous avez intérêt à moins en, la vitesse est clé. Donc pour moi, tout ce qu'on a appris au travers des théories de Lean Startup, tout ce qu'on fait au niveau du Rapid Prototyping, c'est extraordinaire. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans et on doit continuer d'aller très vite. Dans mon spaghetti, c'est changer d'avis souvent, c'est changer d'avis sur la base d'essais. C'est les Français, une fois qu'on dit, je crois que l'intellectuel assis va moins loin que le con qui marche. S'il vous plaît, marchez. Donc remettez-vous en question et essayez. Il faut essayer, changer très vite. Et ça, c'est la vitesse et votre capacité à vous-même de démontrer que le chemin dans lequel vous alliez est juste. Et c'est vrai que la vitesse est clé. Puis en même temps, beaucoup de gens vous disent « mais hâte-toi lentement ». Donc toute la question est dans cette tension entre les deux. Donc c'est une question de tension sociale, c'est une question de tension de façon de penser. Donc l'important, c'est de communiquer correctement. Donc malheureusement, je vais vous décevoir, un bébé, ça prend 9 mois, ça ne prend pas 2 jours. Même si ça, on peut le féconder très rapidement, ça prend 9 mois. Et je vous assure que faire un produit, moi j'ai fait la Swatch en 3 ans, j'étais sur le marché. De l'idée jusqu'à la réalisation, c'était 3 ans, mais c'est changé plusieurs fois la vie, c'est allé très très vite en réalité. Parce que bon sens que le temps court, parce que ça va vite. Mais c'est nous qui devons courir, et je suis d'accord avec vous, il faut prendre tous les moyens en sa possession pour essayer le plus vite possible afin de changer d'avis assez vite. Parce que vous allez changer d'avis, et moins vous essayez vite, et plus tard vous changerez d'avis.
Donc c'est très important. Bonjour, comment est-ce qu'on pourrait introduire ces concepts dans l'éducation, donc très tôt à l'école, pour que... J'ai l'impression que c'est inexistant, en fait. Ah oui, moi, c'est un problème terrible. Hein. C'est un problème terrible parce que vous ne créez pas sans connaissance. Vous ne pouvez pas écrire un... Parce que dans le fond, le créateur est à quelque part simplement l'auteur d'une pièce de musique. Comment écrire une pièce de musique si vous n'avez pas utilisé un instrument ? Donc, la tâche fondamentale de l'école et de l'université, et d'apprendre curieusement l'expertise et la capacité d'être un super bon utiliser son instrument de manière correctement. Donc malheureusement, on doit apprendre pour ensuite se libérer de ce qu'on a appris pour entrer dans la créativité. Maintenant, quel est le rôle de l'école là-dedans ? Quel est le rôle de la société là-dedans ? Oui, l'école a une responsabilité, mais sa responsabilité première, c'est de former, c'est d'apprendre des connaissances. Parce que sans connaissance, vous ne réalisez pas. L'autre responsabilité, c'est d'éveiller la curiosité. Éveiller l'intérêt à regarder ailleurs. Ben, j'y viens, à midi, j'ai été voir votre superbe musée sur l'exploration spatiale. Mais ça donne envie aux enfants. Donner envie, faire envie, ça c'est important. Donc je crois que tout n'a pas été fait faux. Mais dans le fond, il y a cette contradiction énorme entre apprendre des connaissances et utiliser d'autres connaissances pour faire autre chose. Et je n'ai pas de solution, parce que malheureusement, il faut apprendre. C'est juste chiant d'apprendre le piano. Et pourtant, il faut le faire si on veut écrire de la musique ou un autre instrument. Dernière question, oui, du public. Excusez-moi, c'est juste pour savoir si on n'assiste pas pour l'instant à une déviance éducative, quand vous parlez de Google tout à l'heure, où finalement notre mode de pensée est mené par Google, qui est derrière ça des publicitaires qui vont vous amener à aller vers tel prestataire ou tel fournisseur, et on va se penser que c'est une fausse idée, et on va dire même que c'est la mienne, mais qui est en fait en filigrane, je vais dire ça ainsi, prééduquer en disant, ben voilà, c'est la bonne idée, c'est parce que voilà, on l'a un peu mangé par les médias, etc., et sans arrêt, et in fine, ça devient une évidence, alors qu'il y a peut-être 3-4 ans, en prenant un peu de recul, non, l'idée n'est peut-être pas si bonne que ça. Oui, c'est un risque permanent. On a eu le même problème avec l'Église, on a eu le même problème avec la politique, on a eu le même problème avec tous les systèmes qui sont dominants, forcément qu'on est influencé. Par contre, ce qui est absolument génial, c'est que cette nouvelle génération digitale a une capacité d'échange, de rapidité, d'être modelée à une vitesse incroyable. Ils changent d'avis, ils se déplacent comme des oiseaux dans le ciel en automne. Rien n'est aussi clairement défini, et pour moi, c'est un espoir extraordinaire. Donc oui, il y a un risque. Toute la question de savoir, est-ce que l'énergie atomique sert à faire des bombes ou de l'énergie ? Est-ce que les développements que l'on fait sont négatifs ou positifs ? Est-ce qu'en développant des produits en Europe, on exploite les pays du tiers-monde ? Ce sont des questions éthiques très, très difficiles à répondre. Tout ce que moi, j'essaye de faire, ce n'est pas de donner un sens éthique aux choses, mais de convaincre que je sers à quelque chose. C'est pour ça que je pense que l'élément perturbateur, si vous le définissez correctement, vous voulez rendre service à quelqu'un, à quelque chose, et vous cherchez toujours au départ la bonne cause. Il y aura toujours des gens qui vous diront que ce n'est pas juste, que c'est peut-être. Je ne sais pas qui est derrière Google, je ne sais pas quelle est l'influence des médias, mais toujours est-il que la rapidité, cette capacité d'apprendre, cette capacité de chercher, quand je pense que pour aller trouver un mot, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait regarder dans des bouquins, dans des dictionnaires, ces gosses, ils tapotent deux mots sur l'ordinateur, puis ils ont la réponse, à tel point que les profs doivent faire attention en classe, parce qu'en disent quelque chose, les sales gamins, ils vont regarder sur l'ordinateur, et dire, monsieur, vous n'avez pas raison, sur Wikipédia, c'est dit que... C'est d'une rapidité, d'une efficacité extraordinaire. C'est de nouvelles possibilités. On n'est plus aussi maître qu'on l'était avant. Et pourtant, c'est un nouvel univers qui s'ouvre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup.
Ceci clôture la première partie de l'après-midi, donc l'intervention plus théorique. Après maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous sont curieux de se lancer, de ne pas rester assis, mais effectivement de marcher. On va dire également au revoir à nos amis qui nous suivent sur Facebook de La Libre et de Creative Wallonia. Voilà, et puis je vous propose encore une fois d'applaudir M. Mock pour son exposé brillant. Merci beaucoup. Et merci au Green Hub de nous avoir accueillis pour cette session. Merci, je vous repasse la parole. Merci. Donc maintenant, on va passer à l'exercice. Donc comme je vous l'ai expliqué, maintenant, il n'y a plus l'équipe de Libre qui est là-dessus. On est parfaitement à l'heure.